Hello everyone, welcome to the Green Flamingo. Bonjour tout le monde, soyez toutes et tous les bienvenus au Flamand Vert, les banques centrales des marchés émergents et le risque climatique. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Je voudrais remercier à tous nos sponsors, JP Morgan, Crédit Suisse, Bingham, Moody's, Luxembourg, City, Refinitiv, BNP Paribas, IHS Markets, Agnes Bernstein, FSD Africa, Inter-American Development Bank, ICMA, Mizuho, IFC et Ashtrust. Sans votre sponsor, cette conférence n'aurait pas pu être possible. Avant de commencer, je voudrais donner quelques rappels. Et si vous voulez poser des questions, utilisez la boîte de messagerie. Et nous avons également l'interprétation en direct disponible en portugais, espagnol, mandarin, français. Et l'icône représentant un casque sur votre écran vous permettra d'accéder aux observations. Et toutes les sessions sont disponibles sur cette application jusqu'en novembre. Utilisez les outils très intéressants que Swapcard offre. Et aussi, regardez notre stand virtuel. Pour les membres des médias, pour toute demande d'interview, veuillez visiter le stand virtuel de Climate Bonds. Notre équipe de communication est prête à vous aider. Merci et profitez donc de votre session. Jean va nous présenter les membres de ce panel. Je vous passe donc la parole, Jean. Merci beaucoup. Nous avons décidé d'établir une session de flamand vert. C'est un animal très étrange. Il y a quelques mois, nous avons eu à peindre les signes et que faire donc avec un flamand vert. Je voudrais donc aujourd'hui vous dire que les flamands verts il s'agit de ces oiseaux exotiques qui seront avec nous aujourd'hui. Je voudrais ainsi inviter quelques membres du panel du point de vue mondial. Nous avons des personnes qui nous proviennent de l'Orient jusqu'à l'Occident. Nous avons parmi nous Jessica Chu Chang Lian, gouverneur adjointe de la Banque Negara de Malaisie. Nous avons également le représentant de la Banque centrale, Ricardo, et aussi de la Banque centrale du Maroc et de la Banque centrale de Hongrie. Nous avons également parmi nous un expert, fellow de la CBI, Prashant Vase, et nous allons donc commencer par ce tour mondial et je vais demander donc à chacun des membres du panel de prendre la parole et de nous parler un peu de la situation du budget vert dans vos pays. Je souhaite donc passer tout d'abord la parole à Jessica Chu Chang Lian. Merci beaucoup, Jean, de m'avoir passé la parole. Bonjour, bonsoir à tout le monde, selon l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. C'est un grand privilège pour moi d'être ici avec tous les membres de ce panel si important. Il y a un an, personne de nous n'imaginerait que nous serions encore aux prises avec la pandémie de la COVID en 2021, mais cela a concentré la lutte contre le changement climatique et aussi la perception que nous avons peu de temps d'exposition. Ainsi, beaucoup de personnes disent que la crise que nous avons en ce moment est juste une répétition de la grande crise qui pourrait survenir dans l'avenir. Un rapport qui a été publié dernièrement par les banques centrales asiatiques nous dit que si on n'atténue pas les changements climatiques, le PIB mondial peut chuter à même à 8,5%. Les impacts peuvent être encore plus importants au niveau mondial.
Nous avons déjà parlé au sujet du fait que le système financier doit avoir un rôle pour soutenir une reprise importante de la crise de la COVID. Nous avons également parlé de la façon dont nous pouvons amplifier notre travail, et nous avons eu des réponses très positives du secteur financier. Dès lors, nous avons beaucoup d'actions concrètes qui ont été prises par les institutions financières qui contribuent à cela. Ainsi, nous devons investir davantage dans des stratégies et la gouvernance. Ceci dit, nous voulons parler des fondements, des points critiques et essentiels pour permettre le renforcement et la participation du secteur financier pour répondre aux crises. Je voudrais décliner quelques points principaux de notre travail. Nous estimons que la création de cadres et de taxonomies sont essentiels pour permettre les flux financiers qui sont nécessaires. Nous devons également vouer ces flux financiers vers les ressources durables et de fournir des moyens durables pour capter cela au niveau des marchés des capitaux, ces risques, et augmenter des investissements plus verts. Il est important pour nous que la taxonomie reconnaisse l'importance des facteurs de transition vis-à-vis de notre économie, les risques substantiels pour les déplacements sociaux et économiques qui peuvent générer d'autres impacts sociaux. La taxonomie reflète cela en tenant compte du fait que les activités économiques sociales peuvent contribuer vis-à-vis de l'atténuation, l'adaptation et aussi à l'impact général sur l'environnement, et aussi de démontrer un fait réel pour réduire les dommages au niveau de l'environnement. Notre focus se concentre sur assurer la mise en œuvre de la taxonomie et aider les pays à mener des études et appuyer la mise en œuvre de la taxonomie. Notre deuxième priorité consiste à mieux développer des outils pour suivre ce travail, et nous élaborons également des orientations au sujet de la façon de fournir les attentes nécessaires pour développer ainsi davantage le travail réalisé par la GSF. Et ce type de travail permet la réalisation de tests de stress vis-à-vis du changement climatique en 2024. Et nous travaillons de sorte à améliorer la diffusion d'informations et de données. Nous avons créé un comité de changement climatique. Nous collaborons avec des partenaires clés et des parties prenantes de sorte à combler les lacunes pour appuyer les données des risques climatiques. Ce sont des informations sur le climat qui sont essentielles pour les analyses de scénarios et d'autres tests. Et nous soutenons également la diffusion de risques concernant le climat de la part des institutions financières. Cette année, nous terminons des plans pour l'obligatoriété de diffusion du secteur financier. Ce travail doit tenir compte de différents états de maturité, de gestion et de risque qui sont observés par plusieurs pays, mais qui tendent à accélérer le progrès de plusieurs institutions. Ensuite, nous continuons à promouvoir un environnement qui rende faisable ces investissements. Nous voulons créer des conditions qui puissent augmenter les investissements verts. Cela est en ligne avec notre mandat d'avoir un système financier plus important et augmenter les fonds pour soutenir les petites entreprises. Nous travaillons avec les parties prenantes dans notre région pour augmenter la compilation et la coordination et on soutient au changement climatique de toute la région. Le point positif le plus majeur est l'initiative de développer une taxonomie de la NAS qui aide à classer, et cette taxonomie se fonde sur les principes communs
et qui se fondent sur les systèmes financiers de chaque pays, les structures financières et économiques et les routes de transition. Cela va permettre l'adoption localisée et en même temps émettre un flux de fonds financiers vers ces investissements. Finalement, je voudrais vous dire que nous encourageons toutes les économies à réduire leurs émissions et de travailler au niveau mondial. Les investissements climatiques seront de plus en plus importants et doivent tenir compte des impacts et des politiques d'émissions zéro adoptées dans le monde entier. Cela rend plus difficile nos efforts. C'est pour cela que nous coordonnons des actions mondiales et collectives qui doivent être soutenues et intensifiées au fil du temps. Je voudrais donc clore ma participation ici et je serai très heureuse de répondre aux questions que vous pourriez avoir plus tard. Merci. Merci beaucoup, Jessica. Je pense que toujours quand j'ai l'occasion de pouvoir bavarder avec vous, je me rends compte que les défis pour tout le monde sont très pareils. Et cela nous encourage à travailler et aller de l'avant. Si vous me permettez, je passe donc la parole maintenant à Gábor Gyura, qui nous parle sur la situation en Hongrie et quelles sont les perspectives vis-à-vis de ces faits. Nous n'avons pas vraiment de flamands en Hongrie, mais nous avons beaucoup de similitudes en Hongrie. Je voudrais vous dire que la Hongrie fait partie de l'Union européenne, de l'OCDE, mais nous n'avons pas un système financier très développé. Nous sommes une économie émergente et donc, cela, le marché de financement vert, était inexistant il y a 2 ans. Et je peux vous dire qu'il y avait une perception très faible des risques climatiques ici en Hongrie. Et il n'y avait pas de gestion de risque de GES, ça ne faisait même pas partie de notre collimateur. Mais comme protecteur ou gardien du changement climatique, devons comprendre les implications financières concernant la Hongrie. Et dans le cadre de l'Europe, la Hongrie est un des pays les plus vulnérables. Et les rapports de l'IPCC laissent très clair que la Hongrie nous devons être conscients des impacts des changements climatiques. Et la Hongrie commence à être consciente de cet impact, comme dans le cas de l'eau. Nous avons déjà eu ces impacts par rapport aux sécheresses. Mais pas tout simplement les impacts physiques dont nous tenons compte, mais nous devons connaître ce canal de transition et que l'Union européenne a une politique assez ambitieuse à cet égard. Comme une économie émergente ouverte, nous donnons beaucoup d'importance à cela. L'industrie automobile est très importante pour la Hongrie et il s'agit d'une filière qui est très exposée aux politiques de changement climatique. Nous comprenons entièrement toutes les implications possibles, tous ces scénarios climatiques, ainsi que beaucoup d'autres banques centrales. Nous travaillons vis-à-vis de nos tests de stress et nous pouvons voir sur la base des résultats préliminaires que ajourner cette transition serait très mauvais pour nos systèmes financiers. Et les résultats préliminaires également indiquent qu'une transition réussie pourrait être très positive pour notre stabilité financière. Et cela a trait à notre politique et dans la banque centrale, au sein de la Banque centrale, nous occupons de cela et nous encourageons donc que toutes les banques du pays incluent
des cadres et des mesures pour combattre le changement climatique, mais nous estimons également que le revers de la médaille, autrement dit, de rendre le système financier de façon générale plus vert, est aussi très important, comme vient de nous le dire Jessica, et notamment comme je l'ai dit, je viens de le dire, parce que le système financier de la Hongrie n'est pas si développé que ça, et à notre avis, cela justifie un rôle plus actif de la Banque centrale. C'est pour cela que nous voulons explorer des façons d'encourager les banques à augmenter la disponibilité de fonds verts et aussi comment les émetteurs peuvent mettre à la disposition plus d'instruments verts pour que l'on puisse créer un système plus favorable aux investissements verts en Hongrie. Et j'aurai un fort plaisir à partager davantage avec vous tout au long du débat. C'était juste une introduction rapide de notre situation en Hongrie par rapport aux investissements verts. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais tout simplement souligner deux points de votre présentation qui ont été très importants. Les risques physiques, cela doit être pris en considération. Également, le rôle le plus actif joué par la Banque centrale de Hongrie. Et je voudrais maintenant passer la parole à Ricardo. Et je voudrais vous rappeler que Ricardo va nous parler en portugais. Et sa présentation sera traduite vers l'anglais. Ainsi, je pense que vous pourrez nous parler sur l'étude physique et sur l'analyse. Je voudrais commencer tout d'abord à complémenter mes collègues, membres du panel, et remercier l'invitation qui m'a été faite par la CBI de participer à cet événement si important. Je veux parler rapidement de l'approche de la Banque centrale du Brésil par rapport à la durabilité, vous donner une vision rapide du point de vue du cadre régulateur que nous avons mis en consultation publique au mois de mars et avril de cette année, qui sont clôturés et qui seront annoncés la semaine prochaine. Tout d'abord, je voudrais vous dire qu'il est clair que faire face au défi de le changement climatique va avoir besoin des législateurs, les banques centrales, la société en général et tout le monde. Je pense que le rôle des banques centrales dans ce processus est d'assurer que le système financier est prêt à financer ce processus, mais également de gérer de façon adéquate les risques qui découlent de ce changement. En bref, le rôle des banques centrales vis-à-vis de ce programme pourrait être résumé en trois points majeurs. Tout d'abord, aider vis-à-vis de la conscientisation des risques potentiels du changement climatique, assurer que le système financier est préparé pour gérer de façon adéquate ces risques et finalement donner de la transparence à ces risques et à ces opportunités qui découlent de ce processus et que les réalités négatives générées par les activités de pollution soient vues et tarifiées et qu'il y ait aussi un aspect de marché. La Banque centrale du Brésil travaille, œuvre exactement de cette façon et la sensibilisation, l'inclusion d'un pilier de l'année dernière, en septembre de l'année dernière, a aidé à allumer une lumière jaune le système financier, les institutions financières font très attention à ces questions, comment elles mènent leurs affaires. Sur la même ligne, comme j'avais dit, nous avons trois consultations publiques concernant les deux autres points. La question de meilleure gestion des risques sociaux, environnementaux et climatiques de la part des institutions financières et une transparence plus importante des risques et des opportunités concernant le système. En 2014, comme résultat d'une discussion qui a commencé de Rio plus 20, nous avons eu un cadre historique en matière de réglementation SGV au Brésil avec la publication d'une norme qui déterminait aux institutions financières la gestion de risques socio-environnementaux, l'établissement de sa propre politique de responsabilité socio-environnementale.
La Banque centrale du Brésil a joué un rôle primordial vis-à-vis de ce sujet. En ce moment, la première consultation publique est d'un perfectionnement de la norme de 2014 pour intégrer de façon explicite une vision climatique dans les deux dimensions de risque physique et de transition. En outre, on demande aux institutions financières d'appliquer de façon intégrée aux risques sociaux, environnementaux et climatiques les mêmes requis généraux à appliquer aux risques conventionnels du secteur bancaire, risques de crédit, de marché opérationnel, de liquidité. Ainsi, nous obligeons les banques à publier leurs propres politiques et responsabilités sociales, environnementales et climatiques. Cette politique n'est rien de plus qu'un ensemble de principes et de directives de nature socio-environnementale et climatique établies par l'institution bancaire elle-même qui doivent orienter la conduction de leurs activités, la façon dont ils ont ces banques ont rapport avec les différentes parties prenantes des institutions. Par ailleurs, les banques doivent donner de la transparence aux actions positives qui seront mises en œuvre de sorte à atteindre les objectifs de leur politique et les critères d'évaluation de ces actions quant à leur effectivité et efficacité. Une deuxième consultation publique qui convient de complémenter la précédente, inspirée sur les recommandations de la TCF, Task Force for Climate Financial Disclosure, nous proposons des requis obligatoires concernant les risques et les opportunités ayant trait aux aspects sociaux, environnementaux et climatiques. Nous avons donc une portée qui va au-delà de ce que recommande la TCF qui se limite aux aspects climatiques pour intégrer également l'aspect social et environnemental. Et finalement, nous avons une consultation publique ayant trait à l'inclusion de critères de durabilité, la concession de crédit rural et aussi un bureau de crédit rural vert. Il s'agit d'un des projets les plus innovants sur lequel travaille la Banque centrale et aussi l'un des plus intéressants en ce qui concerne sa nature différente des technologies, images de satellites, de bases de données du gouvernement et privé. CBI a été un grand partenaire et qui nous a aidé vis-à-vis du cahier des charges des investissements ruraux. Ce bureau a le potentiel d'avoir beaucoup d'externalités positives à l'agriculture brésilienne. Il y a déjà plusieurs initiatives durables et d'être un allié important vis-à-vis du développement des titres verts de finances vertes. J'arrête là parce que le temps qui m'a été imparti a été déjà épuisé et de pouvoir bavarder avec vous sur des initiatives vertes tout au long de notre panel. Sorry. I think some of us could hear the English, but not all of us. So, Jean, I think we're going to just have to carry on. Je vais essayer. Les commentaires au profit des collègues qui n'ont pas entendu. Il y a quelques messages dont nous a parlé Ricardo, le processus d'impliquer la Banque centrale du Brésil.
vis-à-vis de ce parcours des pratiques en tant que représentant français. Je dirais que lors de la COP 21, il y a eu un impact impressionnant et c'est très important de ne pas avoir été vu. Mais une autre question que je parle de l'intégration sociale environnementale, qui serait le risque que les banques, avec cette diffusion des informations monétaires, de l'aspect climatique et aussi sociaux, environnementaux, finalement l'intégration du critère de durabilité. J'estime que cela, en effet, est important pour voir le travail que nous avons entamé les juridictions, dans les juridictions différentes. Et on peut demander à notre collègue qui a un avis un peu différent de Ricardo Najala et de la Banque centrale de Maroc. Je vous pose la question, Najala. Qu'avez-vous à nous dire par rapport à tout ce programme? Bonjour, bon après-midi, bonsoir, où vous soyez. Merci de m'avoir reçu. Je suis très heureuse de faire partie comme membre de ce panel et je voudrais donc vous donner un panorama rapide des initiatives clés dans mon pays et notre parcours vis-à-vis du système financier. Nous avons donc réussi à promouvoir la durabilité financière pour atteindre les objectifs et aussi coordonner la collaboration du système financier pour l'aspect durable et au niveau national. Nous avons commencé à évoluer vis-à-vis de notre cadre qui va fournir ces possibilités d'atténuer ces risques climatiques. Je vais donc vous parler des spécificités, comment cela fonctionne. Nous avons les parties prenantes de notre pays et au sein des associations des banques et aussi nous avons mis en œuvre une structure interne consacrée aux finances vertes au sein de la Banque centrale en 2019. Nous avons aussi le processus d'engagement avec les institutions que nous surveillons de sorte à sensibiliser vis-à-vis de cela et de diffuser des bonnes pratiques internationales et ainsi aider à promouvoir les efforts de la filière bancaire vis-à-vis de ce sujet. Nous nous sommes également engagés par rapport au travail vert. Nous sommes entrés dans le réseau durable et aussi le travail pour l'inclusion financière. En tant que membre de ce réseau, public et privé, et nous avons entamé des actions et que nous avons publié cela aux banques en tenant compte des risques du changement climatique. Et nous avons aussi un cadre pour l'évaluation de risques, analyse, diffusion d'informations. Et nous sommes parvenus par et de ce changement climatique, nous utilisons les cadres existants de sorte à impliquer tous dans ce scénario et évaluer les impacts potentiels vis-à-vis du futur et diffuser des informations par rapport aux pratiques de gestion de risque de ces affaires en tenant compte des standards internationaux. Et nous sommes également soutenus par le programme de la Banque mondiale il y a 2 ans qui a le but de mettre en œuvre un cadre vis-à-vis de l'intégration des risques concernant le climat, des pratiques de suivi concernant ce programme, qui a l'objectif
d'évaluer les risques climatiques et d'exposition à la filière bancaire, ainsi que les vulnérabilités du secteur financier, du secteur bancaire, du changement climatique. Et nous avons également tous ces résultats qui doivent être informés et nous devons donc élaborer ce développement et nous planifions donc, nous avons l'intention de publier des directives de rapports et aussi c'est le dernier pas vers un travail interne de la Banque centrale pour augmenter les capacités et la capacité des banques. Comment ils peuvent mieux mettre en œuvre les directives. Nous avons publié ce cadre. Et en conclusion, je voudrais vous dire que où nous nous trouvons aujourd'hui vis-à-vis de notre parcours dans le monde financier, nous sommes tout à fait au courant que nous avons dépassé quelques défis et notre formation est mise en œuvre d'une taxonomie avec des études, des leviers, des forces motrices, des défis qui sont clés pour le système bancaire font partie de ce travail. J'espère avoir pu répondre à vos questions. Merci beaucoup de partager la vision de la Banque centrale de Maroc. Nous avons deux messages. D'abord, merci pour avoir confirmé tout ce que j'étais en train de dire et montré le rôle. La même chose que notre collègue et je voudrais également parler de l'importance du rôle que la coopération internationale joue dans tout cela et qui est également très important. Je voudrais maintenant passer la parole à Tofuji, qui est la vice-présidente de la Banque centrale des Philippines et qui se trouve dans une position très privilégiée. Et je pense que vous allez bientôt avoir cette présidence du groupe, n'est-ce pas? Non seulement pour les Philippines, mais également d'une façon plus mondiale. Alors, je suis très intéressée de savoir ce que vous avez pour partager avec nous. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Et pour les pays qui sont dans des époques, des moments différents de leur développement, il y a des pays qui sont l'avant-garde des effets climatiques, du rapport et du développement en Asie. Et l'Asie en développement doit investir 1,7 trillion de dollars en infrastructures jusqu'à 2030 pour pouvoir soutenir le rythme de croissance et en même temps répondre au changement climatique. Les opportunités qui surgissent avec le changement climatique ainsi que les questions de sécurité peuvent vraiment poser beaucoup d'effets sur les banques centrales. La Banque centrale des Philippines a décidé d'émettre un cadre de mesures de durabilité en 2020 dans le cadre de la COVID. Nous pensons que ça a été important justement pour considérer les domaines de ESG social, environnemental, social, les risques climatiques, puisque les institutions financières ont dû réinventer leur stratégie pour travailler justement la pandémie croissante et il fallait étendre justement les attentes et répondre aux attentes, la gestion des risques, les stratégies d'entreprise et bien sûr, il fallait prendre en compte les opérations bancaire. Nous avons essayé de construire sur cet agenda de réforme et de risque. La Banque centrale des Philippines a mis en pratique cela. Et l'un des éléments clés de tout cela est le rôle vital du conseil d'administration et de la direction pendant qu'ils établissent justement un ton de bonne gouvernance parce que le conseiller doit institutionnaliser l'adaptation des principes de durabilité et promouvoir une culture qui encourage les pratiques d'entreprises qui soient socialement responsables et qui soient durables. Et il doit également remplir un rôle, jouer un rôle très important dans la discipline en promouvant des finances durables.
tout cela doit être réflecté et diffusé dans les rapports annuels des banques et doit être aligné avec les directives de reporting de durabilité dans la Commission de valeur mobilière de Philippines pour les entreprises qui sont indexées en bourse. L'idée est que les banques aient une vision plus ample sur la gestion des risques, voyant les canaux de transmission de risques environnementaux et prenant en compte les risques de transition climatique qui affectent les entreprises, les domiciles et augmentent l'exposition aux risques financiers. L'impact des risques physiques de banque et les effets indirects des banques et d'autres plateformes de transition peuvent interrompre les opérations bancaires, doivent être pris en compte parce qu'ils affectent la santé financière. La Banque centrale des Philippines a donc essayé de prévoir ces conditions climatiques adverses qui peuvent avoir vraiment un impact très sérieux sur le système bancaire et l'effet négatif sur le profit par rapport aux intérêts sociaux, l'émission de gaz à effet de serre. Les Philippines ont 0,3% des émissions mondiales. Mais si de nouvelles usines à charbon continuent de se répandre, les Philippines peuvent commencer à avoir une situation de 20 milliards d'actifs de retenue. Alors, le gouvernement a émis un moratoire pour ces usines pour qu'elles commencent à développer de façon plus innovatrice et plus durable pour nettoyer, disons, ces émissions. Elles sont maintenant en processus de développer des portefeuilles pour les secteurs vulnérables aux transitions et en considérant les ressources de ces évaluations. Nous voyons des stratégies d'affaires et des perspectives de croissance à long terme. Et il y a une estimation des risques climatiques à estimer. Et la Banque centrale des Philippines a fait une évaluation et examiné ces risques climatiques en collaboration avec la Banque mondiale et le WWF de Philippines et d'autres acteurs. L'exercice, le résultat de cet exercice va donner des informations au projet, montrer la granularité de ce que nous faisons. Pendant ce temps, nous essayons d'améliorer la qualité de ces rapports pour permettre plus d'évaluation, ce qui donnera plus de subsides à d'autres orientations qui seront centralisées sur les émissions climatiques et qui nous permettront de faire les ajustements nécessaires et employer les stratégies qui devront être employées par les banques. Ce cadre fournit aux banques une transition de 3 ans, liant ces principes développés, et la Banque de Philippines va engager les banques à discuter les actions prises pour mettre en pratique ce cadre de finances durables. Les banques des Philippines sont en plusieurs étapes de mise en pratique de ce cadre et la Banque centrale a établi des possibilités de crédit. Il y a un encouragement pour que les entreprises investissent en des solutions énergétiques efficientes, efficaces et vertes, des programmes verts qui aient pour objectif des secteurs stratégiques comme les petites et moyennes entreprises. Et les gouvernements des collectivités locales, les autorités locales, disons. Et nous sommes en train de voir comment faire ce progrès, identifier le manque d'expertise et de capacité pour pouvoir aider à mettre en pratique ces finances durables, ce qui soulève la question de la formation et des connaissances profondes, ainsi que le développement de capacités, d'habiletés que la communauté doit avoir pour la gestion des risques climatiques, pour permettre de voir ces risques et de
traduire, à permettre aux banques de traduire cela d'une façon à mettre à l'échelle les finances vertes. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Si je pouvais soulever deux points ici par rapport à ce que vous venez de dire, en premier lieu, l'importance des risques physiques de transition. Les chiffres fournis ont été vraiment importants et également montrer le rôle que les objectifs peuvent jouer dans la stratégie. Ça vous prend pas mal de temps, mais 4 ans, c'est assez rapide quand même. Et en fait, nous essayons d'accélérer ces transitions et c'est quelque chose qui effectivement doit être fait et qu'on va accélérer dans le futur. Et avec ce cadre normatif de 2030, cet objectif plutôt de 2030 en tête, on accélère les choses. Je peux utiliser ces dernières minutes pour voir ici où vous en êtes. D'où vous êtes, vous parvenez à voir ou vous avez entendu parler de questions, de ce point qui a été mis en pratique dans votre pays. Qu'est-ce que serait, disons, l'idéal de la mise en pratique? Qu'est-ce que vous penseriez là? Je peux faire un commentaire, oui, d'accord, allez-y. Peut-être la question, j'aime bien penser de ce que le futur va nous apporter, mais il y a deux points qui ont été soulevés. D'abord, il y a cette idée de la Hongrie, ce concept d'essayer d'utiliser les pouvoirs pour avoir la finance verte, encourager justement les hypothèques vertes, encourager les obligations vertes. Et je voudrais beaucoup qu'on ait plus d'espace sur ce point. Et je pense que ça s'applique également pour le Brésil. Je crois qu'une chose plus très importante est d'agir vite. Et dans les deux cas, nous avons les autorités de supervision qui doivent entrer dans ce jeu pour s'assurer que les produits, dans le cas du Brésil, l'agriculture, ils jouent leur rôle sur l'utilisation de la terre. Dans le cas de la Malaisie, il y a le concept d'interdire des activités. Il y a une taxonomie positive qui est très importante. Je pense que c'est vraiment pour obtenir des résultats. Voyons ces résultats. Nous pouvons apprendre beaucoup de vous, publier vite. Nous pouvons vraiment. Nous sommes en train justement de travailler sur cela dans mon pays pour encourager justement les crédits et créer des lignes de crédit. Dans le cas de l'Inde, c'est entré dans la partie justement des crédits pour les sociétés et personnels. Ça a été utilisé par la banque pour aider à faire un effet de levier. Merci beaucoup. Je pense qu'un des rêves est l'un de mes rêves, arriver plus vite où on veut arriver. Est-ce qu'il y a une autre question pour notre panel? Quelqu'un veut dire quelque chose ici? Naja, oui, allez-y. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à votre question par rapport à ce que vous avez dit sur les banques centrales, je dirais que l'expérience d'autres pays peut être vraiment une force motrice très importante pour les banques centrales et le développement international et le développement des impôts établis par les banques centrales et ainsi que le programme de diffusion d'informations sont très importants pour les risques climatiques. Nous sommes en train de planifier justement de faire des dispositions pour le secteur bancaire pour ce qui a trait à la diffusion d'informations.
Nous avons parfois des problèmes pour faire cette diffusion. Nous essayons de mettre cela en pratique pour le futur. Merci. Jessica, vous aviez quelque chose à dire? Un commentaire rapide, John. Je pense que c'est une chose que nous avons apprise. C'est la, cette approche collaborative. C'est un champ où beaucoup d'autorités supervisionnaires de banques centrales trouvent très innovateur. Nous pensons justement sur le développement dans les cadres établis, mais nous avons découvert que travailler d'une façon collaborative avec l'industrie et d'autres parties prenantes a été très utile justement pour accélérer justement ces mises en pratique. Et je pense que c'est un processus collaboratif. Et c'est vrai que tout ce que nous allons mettre en Afrique en pratique maintenant, on va continuer d'évoluer et se former. Alors, c'est une chose que nous avons pris d'autres pays et ça a eu un excellent effet pour nous en Asie. Merci beaucoup, Jessica. Et je pense que Singapour a également un commentaire à faire. Oui, les pressions dont on a parlé dans le grand schéma des choses. Et je suis d'accord pour justement sur les exigences de capital pour encourager justement le définancement et le par les banques. Il y a toute une discussion si dans les banques, s'il s'agit d'utiliser des exigences de capital. Le capital est un outil très fort dans la main des autorités régulatrices comme les banques centrales. Nous pensons que c'est une bonne idée, mais ce doit être employé avec beaucoup de caution. Je pense que le principal objectif de cet outil est de réduire les risques de transition dans le système bancaire. Quand on augmente les prêts verts, le volume de risque peut être réduit. Notre expérience préliminaire a été positive, encore une fois. Ce n'est pas évidemment la fameuse balle en argent, mais on avait un marché vert qui était inexistant et qui s'est accru très rapidement ces derniers deux ans dans ce nouveau schéma. Et les banques maintenant sont en train de travailler beaucoup et de parler beaucoup de ce prêt, de ce crédit vert, parce qu'ils en ont besoin, ils ont besoin pour développer le capital. Et nous avons le développement de ces prêts verts. Il y a quelques années, ça n'existait pas. Et maintenant, on a beaucoup de nouvelles choses. On a des standards de taxonomie. Et je dirais qu'avant, on ne connaissait rien de ça. Et je pense qu'il y a une grande évolution, que beaucoup de choses sont en train de changer. Ce n'est pas si neuf que ça, mais ce n'est pas simple également par rapport aux obligations vertes, aux titres verts. Nous ne sommes pas encore parvenus au cadre pour les risques, mais nous avons eu cependant, comme nous l'avons dit, une expérience très positive. Merci beaucoup. Vous avez parlé de cette question des exigences de capital comme étant un sujet vraiment très important pour la communauté. Je pense que le débat est toujours très utile et je voudrais voir ce débat s'accentuer et augmenter. À ce point, maintenant, je ne sais pas si Ricardo ou si je veux dire quelque chose. Merci beaucoup, Jean. Pour nous, aux Philippines, nous sommes en train de travailler sur plusieurs approches gouvernementales pour rendre viables les finances vertes dans le pays. Et la Banque centrale participe de la collaboration entre entités et agences qui nous appelons la Force verte. Nous avons un ministre du Trésor et d'autres ministres du gouvernement qui sont considérés des éléments clés comme le ministère d'énergie et de l'environnement et l'entité d'énergie et d'autres qui sont notre force verte.
qui travaille sur deux projets clés, surtout une feuille de route des finances durables et les principes qui vont orienter cette finance. Nous allons établir vraiment des principes du gouvernement et des actions pour promouvoir cette finance verte, encourager les activités vertes et les projets durables. Ce principe d'orientation de finance verte a pour intention d'établir un entendement entre le gouvernement, les parties prenantes et donner des orientations de base pour identifier des activités économiques considérées comme durables. Et pour nous, qui sommes un archipel, un pays où il nous faut faire beaucoup de collectes de données, nous avons les collectes de données de façon régionale et nous faisons cela également pour les secteurs où il y a des prêts économiques. Notre intention est d'améliorer le reporting en ligne avec l'évaluation de vulnérabilité, exercice liés au climat qui sont réalisés par la Banque centrale et un autre ensemble de banques qui représentent environ 50% des actifs du système bancaire des Philippines. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sushi. Nous avons... En fait, nous semblons dissemblables, mais nous sommes très similaires. Tout ce que chacun d'entre vous a mentionné entre dans mon expérience comme étant assez similaire. Et je me demande si au moins l'un d'entre vous a un message final pour notre public, les professionnels des finances qui travaillent. Vous avez un dernier message que vous désiriez leur passer avant de conclure notre panel, notre merveilleux panel? Je dirais seulement une chose, où les investisseurs internationaux sont beaucoup plus centrés justement sur l'impact et beaucoup de marchés émergents sont à la recherche d'investissements internationaux pour améliorer cette transition. Et c'est très important que l'on puisse assurer que cela va pénétrer dans le système bancaire avec de nouveaux actifs qui soient consistants avec les émissions zéro et les autres questions climatiques. Merci beaucoup, Prashant. De mon côté, nous pensons qu'il y a des questions liées à cette conversation des finances durables qui peut réunir vraiment différents canaux. Nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans les pays émergents qui veulent commencer à participer. Et mon message pour le public, c'est qu'ils gardent l'œil sur ces pays émergents parce que ils sont en train d'investir dans un futur qui est encore assez récent. Je veux vous remercier tous de votre participation, tous ceux qui se sont levés si tôt. Ricardo, merci. Le message est pour toi parce que tu t'es levé si tôt pour nous joindre et je vous remercie tous de votre participation. Et je remercie également notre public qui nous a accompagnés dans ces discussions. Merci beaucoup.